Et re-salut les amis! Salut! Pendant que, apparemment, nous sommes attaqués par l'Italie, tu dis? Oui, il a fait une mini contre-attaque, mais il a quand même réussi à reprendre ses possessions. Enfin, disons, il a repris un tout petit bout de là où il aurait pas dû reprendre. Mais c'est pas grave. Il a des mines de marbre. J'aurais même tendance à dire qu'en en fait, la dèche de pierre, je suis. Le seul truc dommage, c'est qu'il a pété un bâtiment à nous qui était en cours de construction pour augmenter un peu la. Le truc. Je pense que c'est un truc tout con là, dans le port, on peut faire à la manière d'un stock, dire d'importer les trucs. Oh putain. Bon, bah, on va faire ça. J'aurais dû faire ça depuis le début, moi. Vas-y, ramène toute la pierre que tu peux. Voilà, j'ai dit au port en Russie d'avoir toute la pierre qu'il peut. Donc dans, peut-être que dans 40 minutes, j'aurai un stock de pierre. Arrive. Non, alors on peut trouver ailleurs un stock de pierre. Puis on va le vider. Je sais pas où je trouve ça, moi. Ah, j'ai un bateau qui arrive avec un deuxième bûcheron. Non. On a quand même 1700 de pierres cachées quelque part. Non, c'est le même que tout à l'heure, en fait. C'est le même que tout à l'heure qui était pas arrivé. C'est le premier bûcheron. Oh, moi, même. Mais je sais pas, on dirait des constructeurs, ces mecs, là. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Un canard en plastique. Dans pire. Ces vaches, ce machin, là. Pour moi, c'est plus une demi-pioche. Non, mais il va au bûcheron aussi. Alors, moi je. Ah, c'est un géologue, je viens de piger, c'est les géologues qui, un par un. Voilà, j'ai mis vider un entrepôt, comme ça tu vas recevoir plein de trucs par bateau. Plein de cailloux. Mais il va où ce con? Mais attends, j'ai un seul géologue qui est arrivé, il va à 30 km du point. Où je l'ai appelé et il trouve de l'or. Bah ouais, logique, non? Ouais, mais sauf qu'il est hors de mon terrain, du coup. Ah, ça c'est déjà, dommage. J'ai pas de quoi miner de l'or. Je préférerais de la pierre. Ou... Mais c'est du pas... coup, maintenant que je t'ai dit qu'il y avait de l'or là-bas, je suis sûr que ça t'intéresse d'aller là-bas. Mais... Non, vas-y, je te laisse faire. Moi, je veux voir cette Italie là, un bon coup. Je vais voir si l'Italie il va avoir mal si on lui frappe la tête. Ah, mais sérieux, coup de boule. Que hors de mes limites. C'est souvent comme ça. Les géologues ont un côté très frustrant. Mais ça fait partie du jeu. Oh mon dieu. J'étais trop loin. Je vais là où il y a du fer. Puis en fait, je fais une mine de fer. Puis en fait, c'était de l'or qu'il y avait. Ça doit être la seule mine conjointe. Bon, si jamais un jour j'arrive à avoir une économie autonome là-bas, je pourrais miner de l'or pour en importer oui. Au continent. Mais... Parce qu'en fait, il y a de l'or partout là-bas. Ok. Je veux de la pierre. Bordel. Mais le truc le plus simple de toutes les ressources minables. C'est en cours d'envoi, hein, si jamais. Tu vas recevoir des masses de pierre. Il y a quelqu'un qui regarde, je crois. Hey, salut celui qui regarde. Hello! Bonjour! Bah, si toi tu m'en envoyais et moi je demande d'en importer, oui, ça devrait marcher, mais. Je parie qu'il n'y a pas de bateau en route. T'as vu une cabane de chasseur? Il y a une garde de chasse. Oui, c'est pour que tu puisses. C'est pour faire des rations pour. Il faut une taverne oh, aussi. C'est quoi tous ces bateaux qui se baladent? Attends, c'est à ce qu'on c'est les géologues qui se baladent un par un. Ah non, ça c'est de la pierre, de la chaux. Non, les bateaux, tu vas en avoir plein avec de la pierre. Je t'ai envoyé 800 de pierre. J'ai à bouffer des géologues. Et ça, je sais toujours pas ce que c'est, cette icône. C'est un bonhomme qui se penche. Les soldats, d'accord. C'est les soldats en train de se faire enculer. Oui. C'est ça. Regarde, sur le stream, c'est les soldats en train de se faire oui, enculer. Je sais, ils ont le tranche. Et c'est ça le truc, la première fois, je me dis, c'est quoi ce machin qui arrive? Oui, je t'avais dit, c'est un soldat. Tu m'as dit, non, non, c'est pas ça. C'est... On dirait une espèce de moitié de bœuf et une moitié de sel, je sais pas. Entre les bœufs et le mouton. Alors, est-ce qu'une mine de granit sur un emplacement d'or, ça rapporte? C'est la question. Franchement, je pense pas. Mais tu vas recevoir, tu vas recevoir tellement des de la caillasse. Et... Mais j'ai reçu quoi là? Des soldats, d'accord. Alors là, t'as déjà t'as déjà 24 unités de pierre qui vont arriver, plus toutes celles sur la route, donc beaucoup. Non, c'est que les bateaux, ils arrivent à se croiser ou quoi? J'avais de la pierre qui arrivait, elle a disparu.
J'avais de la pierre et de la chaux, elle est passée où? Mais laisse-leur le temps. J'ai rien dans le farm, moi. Attends. Voilà, on va retrouver la Russie. Toute façon, Non, c'est y a bizarre, forcément une bizarre. explication. Où est passé? Attends, les bateaux sont arrivés et il n'y a pas les ressources. Alors, celui qui arrive là, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a un mec qui se fait enculer et un mec qui rentre même pas dans le cadre. Moi, je me demande s'ils sont pas. Ouais. Est-ce qu'ils arrivent Il est pas vraiment à se reparti croiser, avec tout quand simplement? même. Il est parti avec, non? Ouais. Bah, de toute façon, tu vas recevoir tellement de pierres, tu vas rien comprendre. Là, j'en ai un autre qui arrive avec deux trucs de chaud, de la bouffe. Ouais, et puis il y Et a un tous les mec de bateaux. Ah, et nourri. tous les bateaux, ils s'occupent de moi, tous les bateaux, là, c'est bien, c'est sympa. Ouais. Mais par contre, il y en avait un avec de la chaux et de la pierre, il a disparu. Mais moi je pense que ça va revenir. Ça va Et il y revenir. en a un, C'est j'arrive pas à le sélectionner. probablement déjà arrivé en Bon, fait. ça va tout seul à la bouffe. Bon, Pas et puis. sélectionner les bateaux qui sont sur l'eau. Sinon en Grèce, t'as laissé tomber ou? Ah bah oui, tu t'en occupais. D'accord. Alors je vais Donc finir avec eux. On a eu leur centre mais moi je de. voilà, tu t'occupes pas du tout de la Russie et puis comme ça, moi, ça me fait mon petit truc. Ça va bien qu'on me fait donner, mais puis voilà. Non mais c'est pas Tiens, j'ai même envie possible. de faire un truc. Panam, Poète, attends, faut poète. que je me connecte là-dessus, du coup faut que je lance. Parce que Windows 7 c'est tellement mal foutu qu'il faut que tu lances, faut que tu fasses une recherche sur l'Explorer pour le lancer en tant qu'administrateur. Alors tu es déjà administrateur pour pouvoir te connecter avec ta réseau, sinon ça te dit que tu es déjà connecté avec ta réseau, ce qui est faux. Bah ouais, bienvenue sur le Mais le monde mec qui magique connaît pas un de. minimum Windows, eh ben il est baisé. Il peut pas se connecter à réseau. Ouais, mais j'en connais beaucoup qui se font bien baiser par Microsoft. On va essayer à R comme Russia. Ah merde, il est pas dans ce dossier-là de toute façon. Il est pas sur mon screen. Et je voulais mettre l'hymne national de la Russie Ah, moi je le ou trouve. l'hymne national de l'Union soviétique. Attends, je te passe ça alors. Attends, mais. Ouais, mais tu fais comment pour le passer sur le stream, hein? Ah, alors pour Tu passer joues sur la place de ton micro? Tu fais jouer Stereo Mix, comme ça tu fais la musique de ton jeu C'est vrai que c'est gênant parce que moi je peux le passer pour mon. Je peux le passer dans mon enregistrement en fait. Et je vais pas me tout. priver. Hymne. Bah oui, sinon je lance Firefox et tout, mais enfin bon, j'ai à faire ramer. Ah bah non, attends, j'ai une technique toute con, c'est de jouer. Attends, j'ai trois PC allumés, donc avec des enfants, on va faire chier. Ok, alors je mets pas l'hymne national russe. Ce sera pour une Alors, prochaine fois. Richard Anthony, Richard Sanderson, Robert Palmer, Russian National Anthem. Et toutes ces mines qui se construisent, c'est monstrueux. Bon. Taverne, taverne, taverne. Ok. Oh! Mais c'est qu'ils sont morts! Au revoir les Grecs! Oh oui! Oh my god! Je peux mettre plus fort. Ouais, après je vais devenir sourd. Tu sais que tu satures. Alors là, j'avais mis le son général des enceintes à fond, mais les basses n'étaient qu'au tiers. Tu sais que j'entends en fait les basses 3 fois plus fort que tout le reste. C'est assez dégueu. Bon, on a une forteresse à Ben péter là en là. plus j'avais voulu mettre les basses à fond pour voir, c'était tellement à fond que le truc il arrive plus à jouer les basses en fait. Ah ouais, d'accord. Retour la petite musique. Alors est-ce que tu m'amènes de la pierre toi? Non, tu m'amènes à bouffer, c'est Mais bien. t'as énormément de pierres qui va arriver, je te promets. Voilà, nous avons trouvé qu'il ne restait plus de ressources, donc la mine de granit, elle ne sert à rien. Si, On est si, si, d'accord. si, même quand À il te part dit ça. stocker des rations. Même quand il te dit ça, hein, Ah, la mine de il. granit, elle me rapporte rien. Ah, ben je le vois travailler par contre. Alors, Ah, bah oui, il j'ai sort de la regardé juste le pierre. port là. Voilà, il y a un Il bateau sort au de la port au pierre. nord de l'Allemagne. Il vient de t'envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beaucoup de pierres. Mais vraiment beaucoup. Et on stocke en marchandises sur le quai, il y en a 3 actuellement. Mais.
Mais c'est bon, je produis de la pierre. Tu produis de la pierre? La mine de granit qui me dit qu'il n'y a pas de ressources, il bosse tout le temps en fait. Oui. Depuis qu'il a reçu de la bouffe, là, il bosse tout le temps. Oui, et t'as peut-être 10, t'as 10% de chance, je crois, d'avoir de la pierre. Je suis même pas sûr, mais pour les autres ressources, ça marche, ça c'est clair et net, mais celle-là. Alors du coup, ce qu'il faut pour dans là. Voilà. Je vais arrêter là l'évacuation. Il y a déjà 150 de pierres à peu près qui sont parties. De la chaux, ah non, ça, je fasse un point à chaud avant. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Oh, chaud, fort chaud. Et tu vas voir, tu vas recevoir de la pierre. Tu vas en recevoir. T'en voulais? Eh ben, t'en auras. Beaucoup. Non, là-bas, des coups de pied au cul. Lui, il m'envoie un soldat et une ration. Enfin, un casse-croûte, comme il appelle Mais il y a un bateau qui est chargé à bloc de pierre, tu vas voir. ça. Lui, il a deux pierres. Mais Enfin, pas, ils font des voyages pour des trucs. À vide, quoi. Bah, c'est utile hein, d'amener un caillou, on sait jamais. Et qu'est-ce qu'il envoie? Ah, c'est celui-là qui a demandé de pierre. 3, 4, Beaucoup. 5, 6, 7, 8, 9, 9. Et puis il y en a d'autres qui vont être Oh, blindés il de a pierre qui avoir vont presque venir. 30 de pierre, quoi. T'as. Ouais, il y en a d'autres qui vont arriver blindés de pierre encore. Je dis, j'en ai évacué à peu près 150. Sauf erreur. Il me semble que j'étais à. Ah non, il était à 800, on est passé. Non, je t'en ai évacué 80. J'en mets plus? Je dois déjà pas mal, je crois. Tu peux faire pas mal de construction Bah avec ouais, non, ça. c'est bon. Surtout que moi j'ai déjà fait, j'ai une demande en pierre au port qui est établie, donc Ouais, justement. je devrais en envoyer après. Bah, je regarde là, J'ai trouvé de l'or partout là-bas. sur le Au quai, il y pire, a tu veux, je vais 30 faire pierres une qui vont mine d'or. partir. Voilà, je vais faire une mine d'or. Comme ça, la bouffe qui est importée servira à quelque chose. Ouais. Je commence à avoir mal au crâne, moi. Terrible. On va dire que c'est normal. Ouais, j'arrive à capter que les écouteurs qui sont presque cassés. Là là là. Puis niveau batterie, tu t'en sors? Batterie. Ah, justement, c'est. Ouh, putain, attends, je t'entends plus, ça y est. Oui, mais c'est J'ai parce que enlevé peut-être son que j'ai rien casque. dit. Enfin, je sais Ah, pas. c'est bon, voilà. Oui, justement, ce que tout à l'heure, quand on a. Oh là là, attends. Bah, c'est stable ou c'est pas stable? C'est Oui, genre je secoue la tête pour savoir si ça j'ai coupe vite pas quand c'est entendu bon. la moindre différence. Ça reste tout à fait parfait, y a pas de souci. Bah, non, mais pourquoi t'entendras la différence de mes Bah, écouteurs? si tu nous demandes si c'est stable ou si c'est pas stable. Ou tu te Non, demandes à parce que. toi-même. Mais je Voilà. suis trop con pour comprendre. Parce que moi j'ai eu des coups de dur de son deux ou trois fois depuis que tu m'as posé la D'accord. question sur la batterie. Et donc, quand on a fait la pause de un quart d'heure là. J'ai remis mon casque qui était en état en fait, enfin le bien, Ouais. à recharger au cas où. Et puis ah oui, parce qu'en fait celui qui est pas bien, bah il avait pas assez de batterie, comme ça fait longtemps que je le charge plus. Ah ouais. Et donc j'alterne de temps en temps. Ça permet d'avoir des oreilles fraîches. Ouais. C'est la pierre qui arrive, ça? Non, ça c'était la Non, bouffe. moi je suis Attends, très il content du est mail. Il m'a coûté reparti. un bras, mais Parce alors. qu'il est reparti avec la bouffe, sans enculé. Il est reparti avec la bouffe. Non, finalement, vous avez plus le droit. Bon, si t'as démonté la mine, c'est normal. Mais tu l'as pas démonté. Non, je suis même en train de construire l'autre. Mais ça peut se produire la bouffe maintenant. Il manque juste la taverne. Mais vu que t'as bientôt. Attends, avant de construire la taverne, t'auras bientôt énormément de pierres, donc ça sera vite fait. Bon, après, faut encore faire venir le tavernier, mais ça, c'est un détail. Puis ouais, ouais, on vient de sauvegarder, on est content. Puis moi, je pense que tu vas bientôt tomber sur du monde, logiquement, là-bas. Et alors là, ça va être drôle. Faire la guerre en faisant venir des mecs depuis l'autre bout du monde. Oui, moi j'aimerais bien trouver de la pierre avant de trouver un ennemi. Avant de trouver les Russes. Oh, de la pierre en vue! Yeah! Pierre! Pierre en vue! Pierre, les ciseaux, go! C'est pas un Pokémon? Je sais pas. Alors, le truc qui est chiant, c'est qu'il faut que ça importe un constructeur. À chaque fois.
Bon, allez, une mine d'or profonde en moins. Quoi ça? On s'en fout. Géologue. Bon, bonne nouvelle, j'ai 6 géologues et un tueur sur place. Mais j'ai pas de D'accord. constructeur. Alors, est-ce que le constructeur, c'est un mec à part? De toute manière, il faut que ça l'importe d'un entrepôt. Ah, bah attends, j'ai un entrepôt. Ça existe comme unité, ce constructeur? Le constructeur, oui, ça existe. D'accord. Et c'est où dans les espaces? Aubergiste, constructeur de navire. Alors, ouvrier des entrepôts. Bâtisseur, il s'appelle. Il y en a 25 disponibles en entrepôt. Chez moi. Je sais pas où c'est. Mais il y en a peut-être pas en Russie, hein. Dans ton goulag. C'est où dans les icônes? J'arrive pas à trouver son nom en fait, j'ai tout fait. Bâtisseur. Il est. C'est à côté de quoi? Attends, je te retrouve parce que. Je suis un peu à la masse. Je regarde dans mon stock. Bâtisseur, dans les ouvriers, dans les entrepôts. Il est juste. À côté. En dessous du garde forestier. Si tu veux. Deuxième colonne. Quatrième ligne. Exactement. Bâtisseur. Donc j'en ai pas. Voilà. Parce qu'à chaque fois, ça les renvoie. Puis les Grecs, ils sont en train de. De se faire renvoyer à leur propre Regardez ça. calandre. Ouh, ça. Oh, mon Dieu. Tombeau. Alors, est-ce que les Russes ont progressé vers nous? L'impression un petit peu. Possible, hein. Au moment où je dis ça, il y a un explorateur à nous qui y va. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir monter un peu la vitesse, hein, parce qu'on est. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Yes, 2.5. C'est la folie! Pas fluide. Non. T'arrives pas chez toi? Finir les Essiens et les Grecs avant. Ouais, mais ça sera. C'est une promenade de santé là en ce moment. Alors maintenant que j'ai la pierre, je pense à un truc assez grave si je détruis. Oui, parce que j'ai pas les outils pour faire des constructeurs et des marteaux. C'est ça? Écoute, à mon avis, ta meilleure Une tente bonne limite. question. Ouais. Si Il jamais faut que ce. j'importe quoi pour faire constructeur? Bah, il faut mettre. Ouais, bâtisseur, faut mettre vers le haut. Ah, mais tu peux pas. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire venir un marteau. T'es sûr que c'est un marteau, hein? Oui. Donc entrepôt, toi tu stocks pierre, marteau. Ok, ils sont mes petits Grecs. Wouhou, les copains, vous êtes où? Ah oui, bien sûr, c'est ça le bête. Ils ont des mecs de niveau maximum, niveau puissance de combat. Ça, c'est très chiant parce qu'ils vont taper très très fort. Bon. Allez, on en remet 7 de plus. Puis là, on a tout plein qui vont pouvoir venir en plus. Tac. Ça, personne. Ça, c'est bon, c'est pris. Ah, on peut rajouter 4. Parfait. Voilà, bah c'est bien. Ça commence à se détruire gentiment, tout ça. Cette lenteur. Je suis en train de supprimer les messages. Mais maintiens la touche enfoncée, ça efface tout. Non, c'est ce que je fais, je te dis, mais ça rame aussi, ça chez moi. Bah je le fais alors. Voilà, là je vois la différence. Ce qui est marrant, c'est qu'il est capable de m'afficher la vitesse de ta suppression, mais pas la mienne, quoi. Ouais, parce qu'il y a un aller-retour à faire. Wouh! On a une grosse forteresse qui est tombée. On est en train de faire de la démolition Donc pure. la Grèce.
Sur le bas, c'est fini, il a rien. Non, en bas, il a plus Non, rien. il en reste quelques-uns, mais Oh! Non, sur le bas. Ouais. Bah écoutez, c'est la fin de l'épisode, on se retrouve juste après. Ah ouais.